Intervenir par rapport à Monsieur Sarkozy. Ah, c'est pas du tout. Pardon. C'est pas du tout le sujet de ce soir. Pas du tout le sujet. Ah non. Est-ce que je peux quand même. C'est le meilleur qui existe de tous les hommes politiques droite gauche confondus en termes de com. Il la maîtrise mieux que nous tous à la limite des gens d'image. Non, c'est des mots choquants. Racaille, c'est pas un mot employé. On l'emploie pas. On nous a jamais écoutés. Pour qu'on donne raison aux petits qui brûlent les voitures. Parce que maintenant on nous écoute. La tribune est ouverte. Vous avez assez de cette bande de racailles. Racisme, harcèlement, discrimination, ces dénonciations relèvent-elles du fantasme? Qu'est-ce qui vous différencie encore de M. Le Pen et du Front National? Il y a une grande différence entre vous et moi. Je vais vous dire quelque chose, quand il sera plus là, qu'est-ce que vous ferez? Il va vous manquer, hein? Après ses propos sur la racaille et sur les voyous, sa popularité fait un bond de 11 points avec 63% d'opinions favorables. On a fait venir des Algériens qui étaient analphabètes et qui venaient du fin fond du bled algérien, tout ça pour qu'ils ne se syndiquent pas. Les enfants des immigrés, on n'en parlait pas, ça n'existait pas, c'était pas un problème. Et on en fabriquait des délinquants. Faut-il suspendre les allocations aux parents des mineurs délinquants? On nous répond à 91% oui. Il y a en effet un programme national qui vise à améliorer les conditions d'existence de ces travailleurs immigrés. Je suis la mise en œuvre de ce programme. C'est important pour vous d'utiliser cette madame? C'est très important parce que si nous ne les avions pas, je ne sais pas très bien comment nous ferions. Dans les accords collectifs, le
Mohamed ou la Fatima sont capables d'être un bon ouvrier, mais ne sont pas capables d'être un cadre. Ces travailleurs immigrés étaient perçus pas tout à fait comme des hommes. Le Mohamed et Fatima sont capables d'obéir, mais ne sont pas capables de dire. J'ai l'impression d'avoir été trahi en fait. Vraiment, j'ai honte. Vous voulez en tant que citoyen français. Issu de l'immigration, on n'a pas du tout les mêmes chances que les autres, entre parenthèses, les Français de France. Est-ce que la France accepte réellement d'intégrer les enfants qui sont nés ici? On a besoin en France d'une police de lutte contre les discriminations. Moi, j'ai la trouille quand je les vois. Là, je sors pas. Je ne sors pas. Moi, qui est une ancienne femme de flic, j'ai maintenant peur de la police. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. C'est pas la mission première de la police. La mission première de la police, l'investigation. Donc vous foutez ça dans la tête. L'interpellation. C'est pas vous les Macs, les gars. La lutte contre la délinquance. Les Macs, c'est nous. Les Macs, c'est nous. Les Macs, c'est nous. Racaille, c'est pas un mot employé. On l'emploie pas. À ce niveau, on l'emploie pas. On nous a jamais écoutés. Donc on donne raison aux petits qui brûlent les voitures. Parce que maintenant, on nous écoute. La tribune est ouverte. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Racisme, harcèlement, discrimination, ces dénonciations relèvent-elles du fantasme? Qu'est-ce qui vous différencie encore de M. Le Pen et du discours du Front National? Il y a une grande différence entre vous et moi. Je vais vous dire quelque chose. Quand il sera plus là, qu'est-ce que vous ferez? Il va vous manquer, hein? Après ses propos sur la racaille et sur les voyous, sa popularité fait un bond de 11 points avec 63% d'opinions favorables. On a fait venir des Algériens qui étaient analphabètes et qui venaient du fin fond du bled algérien, tout ça pour qu'ils ne se syndiquent pas. Les enfants des émigrés, on n'en parlait pas, ça n'existait pas, c'était pas un problème. On en fabriquait des délinquants. Faut-il suspendre les allocations aux parents des mineurs délinquants? On nous répond à 91% oui. Il y a en effet un programme national qui vise à améliorer les conditions d'existence de ces travailleurs immigrés. Je suis la mise en œuvre de ce programme. C'est important pour vous d'utiliser cette main-d'œuvre? Ben, c'est très important parce que si nous ne les avions pas, je ne sais pas très bien comment nous ferions. Dans les ascenseurs collectifs, le Mohamed ou la Fatima sont capables d'être un bon ouvrier, mais ne sont pas capables d'être un cadre. Ces travailleurs immigrés étaient perçus pas tout à fait comme des hommes. Le Mohamed et Fatima sont capables d'obéir, mais ne sont pas capables de diriger. J'ai l'impression d'avoir été trahi, en fait. Vraiment, j'ai honte, si vous voulez, en tant que citoyen français. Issu de l'immigration, on n'a pas du tout les mêmes chances que les autres, entre parenthèses, les Français de France. Est-ce que la France accepte réellement d'intégrer les enfants qui sont nés ici? On a besoin en France d'une police de lutte contre les discriminations. Moi, j'ai la trouille quand je les vois. Là, je sors pas. Je ne sors pas. Moi, qui est une ancienne femme de flic, j'ai maintenant peur de la police. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais c'est pas la mission première de la police. La mission première de la police, l'investigation. Donc vous foutiez ça dans la tête. L'interpellation. C'est pas vous les Macs, les gars. La lutte contre la délinquance. Les Macs, c'est nous. On se rend compte à quel point l'avenir repose sur nos enfants et les enfants de nos enfants. En fait, moi, j'appelle pour encourager ce mouvement, qui serait très très bien, c'est d'aller plus voter. C'est mettre.